Un autre beau lever du soleil dans les Everglades. Ce matin, on se lève tôt pour encore aller pêcher les tarbons. h45. On est parti! On est arrivé sur le spot qui était à peu près 8h15. On a commencé à pêcher. 15 minutes après, boum, je perds un gros poisson. Il y avait un bateau en arrière qui avait été on, un autre en avant qui avait été on avant nous. Vas-y. Pas vers lui, ouais. Sabrina, un beau tarpon! Oup, oup. Ah ouais, mec, j'ai le poisson d'une vie au bout de la ligne en ce moment. Je tremble, j'ai déjà mal au biceps. Ça fait peut-être juste 20 minutes. La vie est belle. La vie est belle. Dans les Everglades. Es-tu dans ta soie, là? Ouais. OK. Vas-y, à gauche. Attention, là on est derrière. Ouais, je vais à gauche. Rire, 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 rire. T'es dans ta soie? Ouais, ouais. Good job, lâche pas. Ah ouais, il va venir ça. Tu veux que j'avance, je recule? Essaye de venir le poignet. On vient de l'avoir au bateau. Il y avait quoi, 5 pieds, 10 pieds? Ouais, on était rendu au bas de ligne. Là, ce poisson-là, c'est un poisson attrapé, mais on le veut au bateau! J'étais prête à aller... Là, on est vraiment proche de lui. On est à peu près à 30 pieds. Ils viennent de sauter la gueule en dehors de l'eau. Il est monstrueux. Il a baissé la canne comme il faut. Il est monstrueux. Ah ouais, non, c'est vraiment un beau poisson. On en a capturé un avec Captain Glenn Austin quand on était à Sebastian Inlet. Il faisait environ 80 livres. Puis honnêtement, je me demande si ce poisson-là fait peut-être pas plus que 80 livres. Il est à peu près la même grosseur, sinon un petit peu plus. On vous montre ça. Ah ouais, c'est doucement. Ah ouais, Garde l'attention. Garde l'attention. Je veux pas qu'il y ait en dessous du moteur. Ok. On va reculer. Je vais te le ramener en avant. Attention. Garde la tension. Je te le ramène en avant. C'est doux. Je mets tellement. Il y a de la pression là, sur ma canne en ce moment là.
Je tremble, littéralement. C'est pas des jokes. Ah, je pensais que tu filmais. Oh, il est beau, man. Wow. Mais là, c'est parfait en ce moment. Tu sais, side pressure. OK. On s'en va à gauche. On va essayer de le devancer un petit peu. Ril, ril, ril. Ils viennent de reculer. T'es proche, mais c'est loin d'être fini. Vas-y, ril, ril, ril. OK. À droite. Il est à droite. Bon. OK, doux. Là, il s'en va. Il cruise par en avant. Merde. Mais c'est pas grave. Are you crying? C'était ton cinquième, merdouille! Je pensais que c'était un landé. Ah ouais, mais il était genre... Il est land... Techniquement, ce poisson-là, c'est un poisson cut. C'est devenu... T'aurais pu genre rusher puis sauter dessus ou poigner le leader, tu sais, mais... On l'a apporté au bateau, là. Beau fight! Souris! On est arrivé ici, il était à peu près 8h15, on a commencé à pêcher. On s'est laissé dériver un peu comme la même chose qu'on avait fait avec Larry hier. Donc Larry qui nous a présenté ce spot-là qui est merveilleux, on voit des gros tarpons rouler partout. Puis... on a commencé à lancer. Moi, je me suis installé une petite mouche noire, une toad. Puis par la suite, je faisais des lancers. Je lance en avant, je ramène tranquillement. Je lance en avant, je ramène. Puis j'avais fait un lancer qui n'était pas mon meilleur lancer. J'avais pas réussi à sortir toute ma soie. Puis au lieu de ramener vite puis de relancer un autre, j'ai quand même pêché ce lancer-là. Puis le poisson, il est mordu à 30 pieds du bateau. Même pas. J'ai vu le gros poisson. Faire. Je me suis pogné dans mes pieds, pogné en avant, il est parti, fait des beaux sauts. Il a pas sauté dans les airs super haut comme les tarpons font habituellement, mais il a quand même sorti la moitié du corps. C'est un poisson entre 60 et 80 livres, puis je pense qu'on est pas mal juste dans ces tailles-là. Puis Catherine, elle a super bien fait ça au moteur. On a parti le moteur parce que c'est pas long que ça partait, cette affaire-là. Puis par la suite... On a réussi à la rapporter deux fois au bateau, assez proche pour que Catherine puisse toucher au leader. Donc techniquement, c'est un poisson qui est attrapé. J'ai un autre qui vient de sauter en arrière. Techniquement, c'est un poisson qui a été capturé. Par contre, on n'a pas réussi à le prendre puis vraiment faire la photo avec. Mais c'est quand même un poisson qui reste gravé dans notre mémoire à tout jamais. Moi, c'est mon premier gros tarpon que je capturais puis je suis vraiment fière. Le séjour, il nous reste encore 3 jours, donc peut-être qu'on va pouvoir en rattraper un autre, puis j'en espère un aussi gros pour Catherine.